Alors, ces deux petites scènes que vous allez voir, des scènes assez courtes que j'ai décidé de mettre ensemble, vu que, bah, comme son nom l'indique, elles sont assez courtes. La première est une toute petite discussion, en fait c'est une version un peu plus longue de la discussion qu'a Firestorm avec Cyborg quand il arrive dans la tour de garde pour la première fois. J'ai coupé, bah, je trouve cette discussion assez mauvaise, pas intéressante. Et bah, pas intéressante en fait, je trouvais qu'elle était pas vraiment utile. Du coup, j'ai coupé ces quelques petites répliques. Et la deuxième scène, c'est une scène qui là aussi n'a jamais été tournée. Donc vous allez voir la version entre guillemets storyboard, mais elle a été enregistrée. Normalement, toutes les scènes ont été enregistrées. Où Green Lantern est au Star Labs avec le Dr. Stone. Et cette discussion me permettait à la base de vraiment appuyer le fait que les Star Labs sont à Starling City. Mais finalement, je me suis dit, on le dit déjà, hein, il y a déjà Green Lantern qui le dit, on le voit assez vite à la fin de toute façon. Donc voilà, c'était pas particulièrement utile. En plus, ça me faisait un travelling de moins à faire dans un couloir et j'étais heureux de passer l'enfer les travelling et je commençais à avoir de moins en moins de temps pour finir le tournage. Victor Stone, je faisais justement une visite à ces messieurs Ronnie et Stein. Oui, même si on a déjà fait plusieurs missions avec vous, on n'est jamais venu ici. Et je dois dire que je suis très impressionné par cette structure. Je vous félicite, monsieur Stone. Merci, Dr. Stein, mais on était plusieurs à concevoir ce satellite. Et vous pouvez m'appeler Victor, gardez le Dr. Stone pour mon père. Bien, si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Installez-vous. Alors, j'ai entendu que le héros de notre ville est avec vous maintenant? Ouais, pas la personne la plus aimable que je connaisse. Et de toute façon, on a déjà un Green dans notre équipe. Attends, tu penses que je suis dans l'équipe? Bah, t'es là pour nous aider à sauver le monde, non? Mais non, t'as tout faux. C'est vous qui êtes là pour m'aider, moi, à sauver le monde. C'est pas pareil. Alors c'est ça qui est censé détruire ces boîtes?